Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce forexpresso qui sera consacré bien sûr au chiffre de l'emploi aux États-Unis qui vient de tomber à l'instant. On va regarder ça tout de suite avec donc un chiffre bien meilleur qu'attendu à la fois le chiffre de ce mois-ci et enfin du mois dernier et euh, le chiffre révisé du mois d'août qui est euh, supérieur euh, un taux de chômage qui en plus euh, baisse donc euh, des indications que euh, en tout cas des chiffres qui vont euh, dans le sens euh, d'une politique monétaire certainement plus plus agressive euh, alors que les banques centrales cette semaine se sont euh, évertuées à euh, faire tomber les anticipations de hausse de taux. Donc, euh, ça risque euh, de revenir euh, sur le marché, en tout cas pour le dollar américain, euh, dont la réaction, on va la voir euh, tout de suite, euh, est. Alors, une seconde que je retrouve le graphique, il est là. Euh, voilà, donc euh, réaction bien sûr haussière du dollar euh, américain euh, avec. Euh, hum, vous voyez directement le, le, le billet vert qui, qui rejoint cette zone de résistance dont je vous parle depuis euh, très longtemps sur 94,50, 94,60. Euh, C'est vraiment une résistance décisive. Si on casse euh, ce euh, niveau, alors euh, on ira certainement euh, beaucoup plus haut euh, dans les prochaines semaines. Euh, on va voir tout de suite l'euro-dollar et on ira voir les, les, les pauses, en tout cas les, les, les trades que j'avais suggéré hier qui se sont bien passés pour le coup. Euh, donc l'euro-dollar, je vous parle depuis. Plusieurs jours de cette résistance à 1,15, 1,15-25, on y est dessus, c'est normal hein, puisque l'indice dollar euh, est, euh, est, est, euh, est sur la résistance, donc l'euro-dollar est sur son support. C'est une grosse composante de l'indice. Euh, donc, est-ce qu'il va casser Est-ce qu'il va pas casser Personnellement, euh, je pense que euh, ça va finir par céder. Est-ce que c'est aujourd'hui J'en sais rien. Mais euh, le fait qu'on a eu des petits rebonds... Euh, tout le mois d'octobre, on a eu un rebond qui, qui n'a pas réussi euh, à, à aller très haut et surtout qui n'a pas réussi à franchir cette oblique baissière avec cette longue bougie rouge euh, du euh, vendredi 29 octobre. Euh, ça montre que les, les acheteurs ne sont pas du tout euh, présents et euh, je pense que ça va finir par céder. Mon objectif, c'est 11,50, 11, 11,50, 11, 11, 12 donc beaucoup plus bas. Donc je crois qu'il Ré réellement, il y a une, une opportunité assez forte. Alors, c'est mon avis et uniquement mon avis. Euh, là, on n'a pas le signal technique pour être très académique, pour être euh, complètement académique, euh, pour euh, se positionner à la baisse, euh, même si pour moi, euh, je vous l'ai dit, je pense qu'on qu va finir par céder. Donc, vous pouvez. Pour augmenter euh, le degré de certitude, de probabilité de, de réussite, euh, attendre la clôture ce soir. Est-ce que, euh, alors, idéalement sous 115 et idéalement et encore plus idéalement sous 1,15 pour vous positionner à la baisse euh, ceux qui sont un peu plus euh, amoureux du risque euh, peuvent le faire euh, déjà avec par exemple un stop loss au-dessus de cette droite de popularité euh, je suis passé à un horizon de temps une heure au dessus de 1,1565 euh, euh, voilà euh, sinon si vous êtes sur un horizon de temps plus long euh, vous mettez votre stop loss au-dessus de 1,1620 euh, pour l'instant, le support tient. C'est pour ça que je vous dis que, académiquement et pour plus de probabilité de réussite, il vaut mieux attendre la clôture ce soir ou au moins une clôture horaire euh, sous le support à 1,15, 1,15-25. Mais ça risque, ça pourrait aller très assez vite après. Euh, donc, euh, si vous ne voulez pas attendre la clôture euh, quotidienne, attendez au moins. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai, euh, une clôture horaire euh, sous. Euh, 1.15 donc c'est assez précis finalement euh, attendre une clôture horaire sous 1.15 euh, avec un stop loss au-dessus de 1 60 et l'objectif il est assez euh, lo, assez euh, loin, assez euh, convaincant à 1150-112. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, j'aurai l'occasion d'en reparler, si ce schéma se produit, si ce scénario se produit, euh, on va pas y aller en ligne à droite, hein, il y aura certainement un pullback, mais on n'en est pas encore là, d'abord avoir la validation au moins en, en horaire de... Ce, euh, de ce signal. Euh, je vais revenir sur un trade que j'avais dit, que j'avais donné hier, qui s'est très très bien passé, qui est allé très vite euh, sur euh, le câble. Alors, je vous avais dit que euh, le quand je vous en ai parlé, que, que, que le mouvement était bien entamé, donc de ne pas risquer trop de capital euh, sur euh, ce euh, trade, mais que ça se tentait parce que vous aviez quand même un risk-reward qui était intéressant. Il y avait 60 pips de, 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 de potentiel de perte pour 110 de euh, gains Donc, c'est tout à fait Faisable et on visait un 34-12. Alors au plus bas, on a fait un 34, euh, on va passer en, en horaire, euh, on a fait un 34-25, donc on, on est très proche, hein, donc vous avez quand même 90 euh, pips de gain en euh, très peu de temps. Est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut rester Il y a un support, euh, l'objectif était un 34-10, euh, vous avez de possibilités. Soit vous enregistrez euh, votre gain euh, d'or et déjà, ce qui fait un très beau trade, parce que 90 pips en, en, en 24 heures, c'est très joli. Euh, soit vous mettez un stop suiveur. Donc alors là, vous avez euh, 50 000. Alors attention, parce que j'ai l'impression quand même que une divergence baissière ici, oh, je vais mettre une flèche, ça va être plus parlant, est en train de, pourrait une tra haussière, pardon, pourrait se former. Vous voyez, euh, pourrait se fermer, former donc on pourrait avoir peut-être un petit rebond en, 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 en horaire. Euh, en tout cas, la tendance elle est valable tant qu'on reste sous 1,3510. Alors, vous avez euh, plusieurs choix euh, pour gérer ce trade. Soit euh, vous sortez, vous prenez vos gains d'or et déjà, euh, soit euh, vous mettez un stop suiveur. Donc, selon l'indicateur que vous utilisez, vous allez mettre un stop suiveur proche parce que l'objectif est toujours le même c'est de ne pas rendre au marché ce que vous avez gagné. Donc euh, si vous utilisez un indicateur comme les bandes Bollinger, euh, Bollinger il, euh, il utilise lui un stop suiveur avec un, un indicateur parabolique que vous trouvez partout ou euh, il met ses, son, toujours un stop suiveur sous les trois dernières bougies donc il ajuste à chaque fois euh, si vous utilisez des moyennes mobiles simples comme celle-là, comme ce que vous avez à l'écran, vous pouvez mettre un stop sous euh, au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes ou à 34 périodes, euh, mais vous allez abandonner un peu plus euh, de gains. Euh, ou Sinon, euh, vous pouvez euh, par exemple avec ichimoku euh, mettre un stop au-dessus de le, la Tenkan ou la Kinjunsen. Euh, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas... Un indicateur meilleur qu'un autre, prenez celui que vous utilisez habituellement. Si vous n'utilisez pas d'indicateur, ce qui est peut être la meilleure chose à faire, d'ailleurs entre parenthèses, en tout cas ce que font la plupart des traders professionnels, vous mettez euh, comme fait Bullinger euh, sous euh, une des bougies précédentes, au-dessus d'une des du plus haut des bougies précédentes, puisqu'on est sur un trade baissier, euh, votre stop. Euh, vous avez aussi Martin Schwartz, Martin Schwartz qui est un très grand trader qui met euh, son stop au-dessus du moyenne mobile à 10 périodes, donc très proche, euh, pour ne pas rendre au marché ce il a réussi à gagner euh, en tout cas euh, trade gagnant donc euh, une très bonne nouvelle euh, le stop suiveur va vous permettre quoi va vous permettre aussi euh, de d'avoir un gain un, encore plus fort si euh, vous cassez ce support en 34 10 qui pourrait entraîner encore une accélération euh, baissière mais encore une fois attention en une heure vous avez cette divergence haussière alors qui est pas validée. Va falloir dépasser ce, ce sommet ici euh, mais qui semble se mettre en place même si pour l'instant elle est pas valable voilà euh, pour euh, le câble on va aller voir ensuite euh, le franc suisse que je dont je vous ai parlé hier qui dit qui était fort euh, le franc suisse euh, qui, qui rebond l'euro suisse rebondit un petit peu aujourd'hui mais 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 pas de façon très convaincante donc euh, je continue à penser qu'on va aller sur euh, 1,05 est ce qu'on a si on peut regarder si on a avec ce petit rebond un, une opportunité de trade euh, pas vraiment euh, on, on, on pourrait euh, le stop est toujours au, au dessus de 1,0607 si cette bougie était euh, plus profonde, plus euh, négative, euh, ou en tout cas si elle, elle, elle clôturait sous les moyennes mobiles à 34 et 13 périodes, ici on aurait une opportunité pour, pour rentrer, mais euh, je suis en train de regarder en même temps que le risk reward serait à peu près de 50-50, ce qui ce qui est pas ce qui n'est pas top. Euh, voilà. Euh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas éventuellement? Éventuellement. Euh, sur le dollar euh, suisse. Là, euh, c'est pareil, on a un rebond euh, du dollar suisse. Donc, euh, je vous avais dit hier, si vous devez privilégier une devise euh, à vendre contre le franc suisse, euh, plutôt aller sur l'euro que sur le dollar. Donc on, on, on passe. Euh, le câble, on l'a vu. Euh, on va aller voir le dollarien qui est l'autre paire euh, majeure. Euh, il n'y a pas beaucoup de réaction pour l'instant sur le dollarien euh, ce qui est un petit peu surprenant parce que euh, s'il y en a une hausse des taux c'est plutôt cette devise là qui va euh, cette paire de devises là qui va augmenter euh, mais pour l'instant vous voyez le, la, la réaction très timide très, très timide du marché euh, donc le dollarien qui continue à consolider horizontalement euh, on attendra de voir ce qui se passe au contact de 54 75 pour euh, plutôt se positionner euh, le dollar contre dollar canadien alors là c'est intéressant parce qu'hier je vous ai dit qu'il fallait surveiller euh, qu'on avait peut-être une formation en creux arrondi euh, qui allait euh, se produire donc un, un signal haussier euh, on l'a pas encore parce que certes on a eu une clôture au-dessus euh, du euh, de 1,2432 mais qui n'a pas euh, franchi euh, significativement la moyenne mobile à 200 périodes donc et là aujourd'hui vous voyez encore une figure d'hésitation pour l'instant, mais euh, il y a toute l'après-midi hein, encore aux États-Unis, euh, toute la séance aux États-Unis. Euh, donc, si on avait une euh, clôture ce soir au-dessus de cette moyenne mobile franche, euh, au-dessus de cette moyenne mobile à euh, 200 périodes, on aurait un signal euh, pour moi positif d'achat sur ce euh, deal, euh, sur cette paire de devises avec euh, 1,2595 comme objectif. Euh, bah, écoutez, je crois que j'ai fait ah non j'ai ou, ou, oublié euh, le dollar australien euh, dollar australien euh, qui euh, s'affaiblit c'est normal le hein, euh, dollar américain euh, étant euh, fort euh, donc le dollar australien euh, l aussi euh, baisse euh, est-ce que euh, ça va continuer euh, c'est peut-être pas la devise à privilégier la perte de devises pour, euh, pour jouer la la, la, la hausse du dollar euh, l'euro dollar me semble plus approprié euh, mais en tout cas on a à nouveau un accès de faiblesse et on a rejeté une moyenne on a on a rejeté une moyenne mobile à 200 périodes euh, donc euh, maintenant on pourrait avoir un, un, un retour sur l'oblique baissière ici un pullback qui serait assez classique donc plutôt baissier aussi euh, sur euh, l'eau voilà ce que euh, euh, vous euh, dire euh, suite à ces chiffres donc plutôt bons et plutôt haussier euh, sur euh, le dollar pour le dollar euh, surveiller donc euh, les euh, 1,15 euh, sur l'euro dollar euh, me semble pour euh, les prochaines euh, heures euh, le deal qui pourrait vous offrir euh, la meilleure opportunité de trading. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, de bons trades, n'oubliez pas vos stop loss et je vous dis donc à lundi.